L'arbre que nous allons présenter maintenant est celui qui se tient derrière moi, ici. Et actuellement, il est complètement défeuillé. Nous allons décrire les feuilles un peu plus tard. Il s'agit du Tetarium microcarpum. Alors, c'est un arbre. Bon, celui-là est un pied moyen, hein. On voit des quoi. Lui, il a 10 mètres. Mais il peut atteindre 25 à 30 mètres de haut. Donc, ça peut faire un arbre gigantesque que l'on trouve dans toute la zone tropicale de savane, hein. Souvent en colonie. Donc, quand on va le découvrir, il va être... En fait, il y a dans cette zone, il y a plusieurs pieds. Voilà un pied là. On peut voir là aussi, un pied beaucoup plus haut. On le reconnaît surtout à cette période où c'est défeuillé, grâce à ces fruits qui sont des sortes de disques, hein, mais pas vraiment aplatis, on va dire disques, disons, en relief, donc une sorte de sphère aplatie, hein, de couleur marron quand c'est mûr, et lorsque c'est pas mûr, c'est couleur verdâtre. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir ici aussi, hein, c'est assez remarquable, on voit ces fruits qui sont placés en bouton, des espèces de sphères aplaties qui apparaissent sur les extrémités des rameaux. Maintenant, l'arbre peut se ramifier dès la base, mais parfois le tronc est assez droit. Et ce qu'on remarque, lorsqu'on regarde l'écorce du tronc, on voit que c'est assez écaillé. C'est écailleux, il y a des écailles, là, qui sont de couleur noirâtre, on va dire. Dans ce tronc assez âgé, on va voir que ces couleurs sont plutôt noirâtres. Hein, mais quand on gratte et on enlève un peu les écailles, qui sont de forme, on va dire quoi, de forme de carré, hein, la plupart sont carrés plutôt, parfois un peu rectangulaires, mais c'est assez régulier. Et lorsqu'on enlève l'écaille et qu'on touche l'écorce, on voit une coloration plutôt rougeâtre qui apparaît. Et quand on enfonce un peu là-dedans, vous voyez, ça s'est confirmé, rouge bordeaux, rouge sang même, très profond. Évidemment, le bois à l'intérieur va être un peu plus clair, hein. Alors si je fais sortir des éléments de bois, on voit une coloration d'abord un peu jaunâtre, ensuite qui va tendre vers le blanchâtre. Alors nous voyons là un bosquet, hein, quasiment de Tetarium microcarpum, là, avec des pieds qui s'élèvent à une hauteur de combien, maximum peut-être 3 mètres. Là tout autour, on voit quelques pieds mélangés avec d'autres plantes bien sûr, mais on le reconnaît facilement avec son tronc qui tend vers l'orange là. Plus ou moins torsadés, des branches qui sont un peu torsadées. Et là, si on s'approche, on peut voir, on le reconnaît là, hein, ces couleurs, surtout les jeunes branches, ces couleurs qui tendent vers le marron ou l'orangé. Ça rappelle un tout petit peu d'ailleurs les tiges d'acacia séial. Qui ont cette couleur un peu brune aussi. Et en approchant, bon, actuellement la plante n'est pas en fleur, on ne voit pas de fruits non plus, parce que justement c'est en pleine saison sèche qu'on peut apercevoir les fruits, les fleurs d'abord, ensuite les fruits. Et si on abaisse ce rameau, qu'est-ce qu'on constate? Voilà, c'est un rameau avec des jeunes bourgeons. Qu'est-ce qu'on constate? On peut prendre peut-être une belle feuille, on voit que ce sont des feuilles composées. Des feuilles composées, alors, à l'extrémité d'une feuille complète, on voit qu'il y a une seule feuille. Bon, là, il y en a deux. Là, il y a une feuille. Là, il y en a deux. Non, là, il y a une feuille aussi. À leur extrémité, là, il y en a deux. Et là aussi, il y en a deux. Alors, quand on regarde de près les feuilles, on va prendre quelque part où la lumière permet de bien filmer. Si on prend cette feuille, par exemple, on peut voir que les folioles, les paires de folioles, on peut en compter, hein, les paires de folioles, là, si je sépare, peut-être c'est mieux même de détacher complètement. Voilà, qu'est-ce qu'on constate? Les folioles avec les pétiolules. D'abord le pétiole de la feuille. Le pétiole est relativement court, on va dire l'ordre de 3 cm ici. Tandis qu'on voit les folioles qui sont disposées de manière alternée. Hein. Ce n'est pas opposé du tout à l'intérieur. Et je n'ai pas ma règle ici, mais on peut voir... la largeur qui est
on va dire de l'ordre de 4-5 cm, tandis que la longueur de la foliole va atteindre on va dire 8 à 10 cm. Et la surface supérieure de la feuille est d'un vert foncé, tandis que le côté qui regarde vers le sol est d'un vert clair. Nous voyons la disposition des nervures. C'est évanescent en haut, légèrement en relief en bas, mais c'est pas très visible non plus. La nervure principale de la foliole, elle est visible. Alors, on va secouer pour enlever cette araignée. Et donc, on peut essayer de les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. On voit une trentaine de nervures secondaires très finement dessinées sur la feuille. Et donc, voilà, ça se présente la feuille elle-même, feuille composée. On va dire que l'axe principal de la feuille, on va dire entre 12 et 15 cm de long. Donc, c'est une plante que l'on trouve communément en zone tropicale de savane, comme vous pouvez voir là, avec le développement d'ondes. Et pendant la saison sèche, à un moment donné, les feuilles vont tomber et les fleurs arrivent. Et donc, la plante va commencer à produire. Là, on peut voir la coloration déjà de l'écorce. Disons, une coloration gris clair, hein. Certains diront beige, c'est gris clair, avec pratiquement pas d'écailles là-dessus, pour les jeunes branches. Intéressons-nous aux fruits, vous voyez qu'ils apparaissent ici, voilà, là, tout petit d'abord, petit, hein, porté sur un court pédoncule qui est venu à la place de la fleur, hein, bien sûr, de combien? 1 cm, 12 mm environ, et ils sortent en grappe donc. Même si plus tard, en fait, on va découvrir surtout 2, 3 fruits en même temps. Là, un fruit un peu plus avancé. On dit c'est une sorte de disque, mais aplati. Et donc, si on prend le diamètre en haut, ça fait combien? L'ordre de 4 cm, ce fruit vert. Et sur une épaisseur hein, du disque de, disons, combien? On va dire à peu près 2 cm. Porté par un très court pédoncule de 1 cm. Donc la couleur est verdâtre, c'est quand c'est pas encore mûr. Et lorsque c'est plus mûr, hein, la couleur va tourner au marron. Donc on va chercher un fruit mûr. Donc voilà. Là, celui-là est immature, celui-là est mûr comme fruit. Et en fait, ce sont des fruits qui sont consommés. Il y a une fine pellicule marron que l'on peut entailler. On peut enlever comme ça, vous voyez là. Après, il y a la pulpe qui apparaît, qui est assez poudreuse. Hein, le fruit se vend aussi beaucoup d'ailleurs sur les marchés locaux. Hein. Les enfants, les femmes passent dans la brousse souvent pour récolter ça. Et donc, en bas de la fine pellicule marron, il y a un fruit, disons, il y a une pulpe verdâtre là. Qui apparaît et qui est assez sucré, donc on peut sucer ça. Voilà, ça se présente sous forme de poudre hein, qui recouvre en réalité un noyau beaucoup plus dur. Si on continue à creuser, et bien il y a un noyau plus ou moins fibreux à sa surface, hein, un gros noyau qui lui n'est pas consommé par les populations locales. Voilà, donc la poudre quand même est récupérée et sucé. Voilà, donc j'attaille assez de poudre dans ma main pour vous montrer que c'est consommé. Et là, voilà, c'est sucré. C'est sucré, ça a un goût de tanin dedans. C'est qu'a priori, le tanin ayant une propriété astringente, a priori pour être efficace contre tout ce qui est plaie, ulcère, parce que le tanin a tendance à refermer les plaies. Voilà, on ne peut pas voir très bien le noyau, mais disons, vous pouvez deviner là, c'est assez fibreux qui est en bas. Et de toute façon, on ne peut pas croquer ça, alors c'est très dur. Voilà, mais la poudre est excellente, elle est sucrée, elle est vendue. Hein, le fruit même est vendu sur les marchés locaux. Vous voyez là, au dos, il passe au dos. Voilà. Voilà.
Donc, ceci devrait permettre de reconnaître facilement cet arbre merveilleux qu'est le Detarium microcarpum. Nous allons donner à la fin de la vidéo, bien sûr, une série de mots que les phytothérapeutes vont combattre en utilisant tout ou partie de cette plante. Pour l'instant, on va donner quelques noms locaux. Eh bien, en ce qui concerne les noms locaux, par exemple dans la langue mandinka ou malinké ou dula ou bambara, eh bien, la plupart des gens vont l'appeler ntabakumba ou bien tamba, hein, tout simplement tamba. Ça, c'est le cas au Mali, par exemple, ou avec les dula du Burkina Faso. En Guinée, les malinkés ont une légère variation, ils vont dire aussi tambani, mais ils disent aussi tamba, tamba. Eh bien, au Sénégal, les Wolofs vont appeler ça daha, daha, bien dak. Tandis que les peuples tout couleur du Sénégal vont l'appeler Doli. Doli. Et bien, au Niger, les Djerma vont l'appeler Fantou. Les Hausa vont l'appeler Tora. Les peuples vont l'appeler Koukéhi là-bas. Et bien, les poulards de la Guinée, on va dire en poulard Pompodogo. Pompodogo. En Côte d'Ivoire, en Dula, ils vont dire Koma. Tandis que au Burkina Faso, en Morée, ils vont dire Karadega. Karadega. Au Bénin, en fond, on va dire Dakpa. Dakpa. En Oussa, Tahoura. Et disons en Nadja, ils vont dire Zokuma. En Bariba, ils vont dire Betegondou. Betegondou. En fond, ils vont dire Dakpa aussi. Ou en Hausa, Tahoura. Voici donc tiré de la littérature un certain nombre de noms. Bien sûr, c'est une merveilleuse plante avec beaucoup d'applications en phytothérapie. Et chacun de nous peut récupérer les graines de cet arbre, surtout que la germination a été avancée comme très bonne, hein, autour de 90%, hein, surtout des températures assez tendres, 20-25 degrés. Et bien voilà. Et donc ceci devrait pouvoir permettre à chacun de contribuer à la préservation de cet arbre dans notre environnement.